Alors, après avoir fait un petit fond en aquarelle, je vais voir ce que ça va donner. Ce que je vais faire, une découpe de dies dans un carré doré de mixed media, de ce carnet-là. Alors, comme c'est pas autocollant, je vais mettre du double face avant. Et voilà, encore un double face qui ne fonctionne pas. C'est le deuxième. Ah voilà, là il fonctionne. C'est les anciens double face qui me restent d'action. Voilà. Poubelle. J'espère que ça va aller. Donc. Donc on va mettre du double face sur toute la partie que j'ai qu'on a besoin. Et voilà. Maintenant, je suis bien. Pour que ce soit facile à décoller après. Un big shot, je vais fixer je vais mettre de l'autre côté. Je vais fixer le dies avec du washi. Comme ça, ça abîme pas le papier. Il m'est surgi, perdu le bout. Tant pis. On va faire comme ça. Je vais pas perdre du temps. Mettre la big shot dans le bon sens. Hein. Je vais couper ce qui dépasse, sinon ça va coller sur les plaques. Et on va essayer. Donc là, il va falloir passer plusieurs fois. Donc ça, c'est un die que je ne me suis jamais servi en plus. Donc il est tout neuf. Je préfère passer plusieurs fois pour être bien sûr, mais bon. On va voir ce que ça donne. Non,
C'est pas passé à fond encore. On va repasser. Je vais mettre debout pour tenir plus fort. Bon, là, si ça passe pas, c'est que ça marche pas. Hein. Hop. Alors, on va voir. Je vais d'abord enlever avec le dice comme ça dessus. Ça a l'air d'aller. En même temps, je peux récupérer les petits carrés. Je vais les mettre de côté. Ah, ça colle sur mes doigts. Bon, je pense que ça va être un jeu de patience. Moi, ce que je cherche, c'est que ça colle. Ma technique est peut-être pas bien au point, mais ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Alors, ce qu'il va falloir, c'est que je récupère la découpe. Voilà, je commence à l'avoir. Voilà. Génial. On va enlever les derniers carrés. Derniers carrés et les dernières protections. Ça colle, ça colle. Bon, c'est pas l'idéal, hein, les filles, mais. Thank you.
Voilà le dies. Et maintenant, donc, il est autocollant. Mes fleurs sont bleues. Donc, je découperai après. Voilà, il est tout collé. Ah mince, c'est un bout là. Voilà. Oui. Alors, j'avais aussi le petit cœur. Je vais essayer de récupérer le petit cœur si je peux. Mais avant, je vais découper mon papier. Ah, j'ai des caries autocollants partout. Non, je vais découper en 14. Et voilà. Mon sens là. Ça, je décollerai après. Donc, on va essayer de récupérer le petit cœur. Voilà. Voilà ce que ça donne. Oups. Tout ça, on rangera après. J'ai rangé hier, hein, mais bon. Là, on va bien ranger après la carte. Donc, je vais me servir des fleurs que j'avais reçues de... Désolée, j'ai une mauvaise mémoire des noms. Hein. À chaque fois, bon, faut que je vois parce que j'ai une phrase à mettre. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas la phrase en tampon, donc je vais la faire à la main. Et je vais profiter qu'il me reste du papier comme ça en autocollant. Je vais enlever ce qui est ce que je n'ai plus besoin. Poubelle. Pour faire un dies étiquette.
Voilà, ça, pareil, j'ai plus besoin. Donc, on range tout de suite, pas remettre le boxon. Voilà. Et mon dice étiquette, il est peut-être ici. Ça, c'est ceux que je me sers le plus. Alors. Donc, il faut que je fasse mon rangement aussi de dies. Donc, je vais réfléchir. Non, une grande, je pourrais pas, de toute façon. Bon. Quand ça veut pas, hein, je vous le dis. Hein. Non, mais il est mort, hein, celui-là. On va en prendre un autre. Ok, on va pas trouver le bout non plus. Bon, pourquoi aujourd'hui ça veut pas? Ah voilà, je crois qu'il est là. Voilà, je l'ai. Et puis pour il va falloir que je me sers aussi ma machine à folle. Je ne m'en suis pas encore servi depuis que je l'ai acheté. Je n'ai pas encore eu le temps. Et je n'ai toujours pas vu de recharge de rouleau dans les actions. Alors, il va falloir que je le mette. Je sais où je vais le mettre. Que personne ne sorte. Je ne trouve plus mon aiguille. Ah.
là. Maintenant, je vais quand même prendre le petit. Je marquerai ma phrase sur le petit. Donc, on va prendre du blanc avec du cardstock. Voilà, donc ça, ça va venir ici au-dessus. Et maintenant, alors je vais mettre ma petite photo, vous voyez, la photo de mariage qui est sur mon bureau. Un doré, alors je vais regarder s'il fonctionne avant. Voilà, bon rétablissement. C'est pour quelqu'un qui est malade. Donc, on va prendre du 3D. Alors, est-ce que j'ai du 3D de sortie? Donc, on va taper en réserve. Alors que je me fais une poubelle écolo, c'est-à-dire plastique d'un côté, carton de l'autre. Parce que bon, quand je descends ma poubelle, je fais le tri, mais du coup c'est un peu plus long. Voilà. Ça va, j'ai pas une trop sale écriture, donc et on va y mettre des fleurs. Pour les fleurs, on va mettre la colle chaude. Ça tiendra mieux. À chauffer avant, mais bon, ça fait rien, ça chauffe assez vite. Ça me permet, alors j'avais pris en vert comme ça normalement, mais bon, du coup je crois que je vais changer. Oh, j'ai pas, je vais regarder, alors en vert, ou alors je prends le bleu. Bleu, qu'est-ce que ça fait? Parce que le bleu est plus foncé. Ben non, je préfère dans le vert. Étonnamment, ça me fait, mais ça me choque moins dans le vert. Plus joli.
c'est plus joli comme ça. Donc, en attendant, on va mettre du 3D là derrière, que ça chauffe. Mieux être bien droite. Oui, en vert, c'est joli. Bon, est-ce que ma colle est chaude? Non. Si vous n'avez pas l'habitude, faites pas comme moi. Hein. Moi, j'essaie sur mes doigts. Bon, ben, du coup, j'ai abandonné mon... mon fond d'aquarelle, je trouve moche, mais c'est rien. Là, il me reste un bout avec de l'autocollant, du coup je pourrais m'en servir. Il me reste du cardstock, les dies, on va tout de suite les mettre en place avant de les perdre. Ben, j'espère que ça vous aura plu la vidéo, que ça change un petit peu en ce moment. Ben, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de cartes de scrap. Mais là, c'est week-end. Donc, c'est jour de repos. Pas de cartonnage. je vais certainement scraper. Je vais peut-être faire une page sur les toutous. Je vais voir. Alors, je vais voir si je recolle. Alors, c'est bon, il est chaud. C'est chaud. Oui, je sais, je suis folle d'essayer sur mes doigts. Dommage que j'ai pas de bleu. Voilà. Alors, on va agrémenter avec deux petites perles. Alors, ce sont mes perles. Pourquoi je range, moi? Vous pouvez me dire pourquoi je range? Pour ne plus rien retrouver après. Alors... mettre des petites perles bleues.
Voilà. Voilà. Donc voilà ma petite carte. Donc on m'a demandé colorée, fleurie, avec un bon rétablissement. Donc voilà, bon, comme j'avais pas de tampon, donc je l'ai fait à la main. Bon, j'aurais pu faire avec des alphabets, mais bon, les alphabets sont toujours trop grands hein, par rapport à une carte. J'aurais pu aussi le faire à l'ordinateur et l'imprimer, mais bon. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, il y a un petit filet de colle. Allez, voilà. Je pense que là, vous la voyez. Maintenant, là, vous devez la voir à l'endroit. Je ne sais plus. Alors, attendez. On va changer la caméra. Voilà. Je ne sais plus si vous la voyez à l'endroit ou à l'envers. Donc, voilà la carte. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez. Donc, est-ce que vous faites déjà cette technique? Je ne l'ai pas vu en vidéo. Bon, c'est peut-être déjà passé en vidéo. Hein. Mais dites-moi ce que vous pensez de la technique de mettre déjà du double face derrière. Voilà. Bon, je pense qu'elle va aimer. Moi, j'aime bien. Donc, je l'ai mis en forme pupitre. Hein. Voilà. C'est la façon que je fais le plus pour les cartes, moi. Comme ça, on peut la poser. Donc voilà, j'ai arrêté mon fer avant d'oublier, pas mettre le feu à la maison, hein, ce serait bien. Oups, voilà. Donc voilà, bah oui, pas mettre le feu à la maison, j'avais mis du plastique sur le fer. Bien, super. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé, et puis dites-moi si vous faites déjà cette technique ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Alors si on ne se retrouve pas ce week-end sur une autre vidéo, ben, on se retrouve lundi. Voilà, sans souci. Allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.